Jérusalem danse de joie, puis par sa mort tous nous sommes libérés. Jérusalem danse de joie, venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Chers frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de faire grandir en nous la foi, afin que nous soyons de ceux qui lui obéissent. Et plus encore, dans les moments de persécution, dans les moments de difficulté, de souffrance, d'incompréhension, d'abandon même, je peux dire, qui nous donne la force de l'Esprit Saint afin que nous soyons vraiment de ces témoins-là qui croient en lui et qui l'annoncent par leur vie. Nous vivons longtemps, les mises avec comme Didier Mermina, il y a bien un peu de temps, Jésus Christ, il y a bien un peu de temps, 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 Donato maou ou on a ébé l'onondi même ko donato agbito e so wa le ise se o me yo titre nya be rosentia le nabena e be gbogbo ko ko ba sunya si ale ale bi nya cha nya nya be ko dina dase ma u be nkunu ma u be nko so to wa ba gbe mi mina nya mi nya do ko mi nya do je si be na nu fo lo mi nyi ale bi na mi nya je na ma nu ko nu ko ko si awo rentrons en nous mêmes. Demandons pardon au Seigneur pour tous nos péchés, afin que nous soyons dignes de célébrer cette Eucharistie et que ces grâces soient effectives dans notre vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe. Christ eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël
la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Miako Eji Aglobe, ne Ameda Heade Yuela, Apotola Sine. Ne Ameda Heade Yuela, Apotola Sine. Makafu Apoto Yaokatai, Eye Apokafu Kafu Anonunye Meda, Miduekpo. Et mia kobe, apoto pedomenu, waira amesi si cho. Ne ameda heade yuela, apotola sene. Apoto klenku de amesio le vent omla. De yatron open corda le animaji. Wodori, apoto se. Eye, wode ocho open kakao katame. Ne ameda heade yuela, apotola sene. Apoto chode amesio pejigma guju guju lagbo. Eye wukonana amesio pegbogbo wufufu anyi. Amojojwe pefukwekbo usogbo. Ke apotola dene chua wukatame. Ne ameda heade yuela, apotola sene. Nous nous levons pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec un chant de joie, car l'Éternel est son amour. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 3, versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cet évangile est fasse le péché et le purifie. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Chers frères et sœurs,
et vous tous qui nous suivez sur Lumen Divine, et principalement mes compatriotes togolais et togolaises, j'aimerais que les lectures que nous venons d'écouter aujourd'hui, jeudi de la deuxième semaine de Pâques, nous ne l'oublions jamais dans notre vie. Pour ma petite méditation, j'aimerais partager deux points avec vous. Deux points. Mais bien avant cela, j'aimerais que, surtout nous les Togolais et Togolaises, croyants, chrétiens, chrétiennes, ma soeur togolais, togolaise plutôt, mon frère togolais, c'est au moment de difficulté que nous devons faire preuve de notre foi. C'est au moment de difficultés que nous devons témoigner vraiment que nous sommes chrétiens. Saint Paul nous dira que soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui vous anime. Soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui vous anime. Cela me conduit à entrer dans le premier point de ma méditation. Dieu incarné en Jésus-Christ nous donne les arguments, ou bien ce qui doit garantir l'assurance, si vous permettez ma tautologie, ce qui doit garantir l'assurance de notre foi en Jésus-Christ. Ce qui doit garantir notre foi. Quand on parle de la foi, chers frères et sœurs, nous devons avoir des arguments que nous devons avancer. Nous devons être prêts à témoigner de notre foi, surtout dans les moments de difficulté. Jésus, en tant que témoin du Père, qui est descendu du ciel, chers frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez sur l'humaine divine, Jésus donne à Nicodème des arguments qui doivent être notre argument. Nous devons nous approprier de ces arguments-là. La première des choses, le témoignage vient du ciel. Notre foi, si je peux le dire comme ceci, vient d'en haut, de quelqu'un qui est descendu du ciel, Jésus-Christ. Il est un témoin convaincu et convaincant parce qu'il a l'Esprit sans mesure, l'Esprit Saint bien sûr. La page évangélique où Dieu nous parle en ces mots nous dit ceci. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu dit vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le témoignage, chers frères et sœurs, le vrai témoignage vient de Jésus-Christ, lui seul. Personne n'est descendu du ciel sinon le Fils de Dieu. Qui d'autre nous a dit? Qui? C'est lui la parole de Dieu incarnée. Et il nous certifie que son témoignage est vrai, parce qu'il a tout reçu de la main du Père. Il nous le confirme dans l'Évangile. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans ses mains. Le Père aime le Fils et il a tout reçu dans ses mains. Tu penses que ce monde a été créé par qui? Que toi qui vis, ta vie est dans les mains de qui? C'est pour cela que j'ai pris ce chant pour ouvrir mon homélie. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes,
Voilà les arguments, voici les arguments de ta foi. Les arguments de ta foi. Ça ne provient pas d'un homme, mais de Dieu. Dieu qui est ressuscité. La mort n'a pas eu le dernier mot sur lui. Chers frères et sœurs, mon frère, ma sœur, Togolais, Togolaise, est-ce que tu es vraiment croyant? Ta foi, tu l'as mis en qui? Ton espérance est en qui? Ta foi, tu l'as placée en qui? Tu as mis ta foi en qui? C'est la grande question. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu n'est pas un manchot. Notre Dieu, il voit tout. Il sent. Il a un cœur. Notre Dieu, le psalmiste nous le dira, il a créé les yeux et il ne verrait pas. Il a fait les mains et ne peut pas se déplacer pour aller chercher ce que nous voulons. La vie éternelle est en lui. Il demande seulement notre foi. La foi en Dieu. Voilà les arguments. Ce que tu veux, ce que tu cherches, la vie, la libération, la guérison, la délivrance, tout ce que nous cherchons, le bonheur. On l'a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, chers frères et sœurs, fais mienne ces arguments de foi aujourd'hui, afin que toi aussi, tu puisses grandir. Si tu attends le témoignage d'un homme avant d'évoluer dans cette vie, tu ne vas pas évoluer. Mais permets-moi de te dire, Dieu peut passer par un homme. Il y a une différence. Dieu peut passer par un homme, une femme, pour faire grandir ta foi. Ce que tu veux, aujourd'hui, Dieu peut te le donner directement. Mais sache qu'il peut passer par un homme. Nous sommes des instruments. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais ne mets pas à la place de Dieu un homme, jamais. Ni une femme, jamais. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ce que nous traversons de par le monde aujourd'hui avec cette maladie, ou bien ce que toi-même personnellement tu traverses, tes difficultés, tes angoisses, ou ta vie, on peut dire que c'est fini pour toi. Ta vie est à genoux. La nuit a assombri tout dans ta vie. Tu ne vois rien de loin. Laisse-moi te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Celui qui met son espoir dans le Seigneur, il ne se trompe jamais. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il dit ceci, « Je veille sur mes paroles pour les exécuter au moment opportun. » Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, notre foi est en Dieu. Notre foi est en Dieu. Non pas à un humain. Non pas dans une femme. Dans la foi d'une femme. Ni dans la foi d'un homme. Non. Non et non. Mes chers frères et sœurs, notre foi en Jésus-Christ, il faut savoir que cette foi, puisqu'il n'est pas de Dieu, puisqu'il n'est pas d'un homme, cette foi sera persécutée. Le Christ même nous a averti. Dans le monde, vous trouverez toutes sortes de difficultés, de souffrances, de maladies. Les gens vont se liguer contre nous. Mais, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Cette maladie a été déjà vaincue. Ce n'est qu'un temps. Tes souffrances ont déjà eu une solution en Jésus-Christ. Mais, chers frères et sœurs, si on est persécuté, notre foi n'est pas un antidote. Notre foi, ce n'est pas que nous ne serons plus tentés. Ce n'est pas que nous aurons plus de difficultés. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de la maladie, il n'y aura plus de persécution dans notre vie, il n'y aura plus de souffrance.
Non. Mais il y aura tout cela. J'aime dire cette affirmation que vous voyez dans le monde. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un en passant qu'il est chrétien ou bien il est chrétien. Non. Ou bien celui-ci, il a sa foi, le degré de sa foi, c'est comme ceci, c'est comme cela. Non. C'est à tel niveau, mais à tel niveau. Non. Nous subissons pratiquement la même chose, les mêmes épreuves. Quand on nous voit dans le monde, les chrétiens là, quelle est notre marque? Mais c'est la manière dont nous abordons ces épreuves, ces difficultés. C'est la foi. La foi, notre foi en Jésus-Christ doit faire la différence. Notre foi en Jésus-Christ doit faire la différence. Et ne nous étonnons pas quand nos frères et sœurs nous intiment se soulèvent contre nous. Se soulèvent contre nous. Je prie au cours de cette Eucharistie pour tous les monseigneurs, les évêques. Je prie pour eux. Je prie pour eux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Plus encore, je confie à la miséricorde divine, mon cher Père curé, en ce temps-ci, mon frère, ma soeur, Togolais, Togolaise, quelle est ta foi? Toi aussi, tu vas te mettre dans le rang de ceux qui persécutent l'Église, les évêques, les prêtres, ton curé, le prêtre de ta paroisse, pour insulter? Non, faisons très attention. Faisons très attention. L'histoire est là. Et l'histoire continue par s'écrire. Et c'est nous qui écrivons l'histoire. On a amené aujourd'hui Pierre et quelques apôtres devant le grand tribunal pour les juger. Pour les juger. À cause de leur foi en Jésus-Christ. Nous avons interdit de faire ceci ou cela. Pourquoi continuez-vous? Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont persécutées à cause de leur foi, à cause de leur appartenance à la vérité, à ceci ou à cela. Les voix se lèvent pour nous condamner. Tu es condamné en ce moment-ci, mon frère, ma soeur. Tu travailles sur une situation vraiment pas possible. Mais ne sois pas intimidé. Ne baisse pas les bras. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Non. Pierre leur a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons plaire au monde. Chers frères et sœurs, faisons très attention aux séditions du monde, à toutes sortes d'arguments qu'on avance, mais qui ne dit pas notre foi, qui ne dit pas ta foi. Il y a des solutions qu'on te propose en ce moment-ci. Toi-même, pour pouvoir avancer, pour plaire à telle personne, tu deviens hypocrite. Tu deviens un diffameur. La diffamation. Tu deviens quelqu'un qui calomnie son frère, sa soeur. Faisons très attention. Faisons très attention. Quant à nous, nous sommes témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Si tu prends la résolution de garder ta foi en obéissant à Dieu, Dieu va te donner son Esprit Saint. Son Esprit Saint, tu l'auras sans mesure. Il nous l'a dit l'autre fois, que l'Esprit souffle. Nous le savons comment, où et pourquoi. L'Esprit a été implanté, confié à l'Église. Et aujourd'hui, l'Église, c'est le pape, les évêques, les prêtres. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
N'écoutons pas nos passions. L'homme passionné, c'est un homme des fois déraisonné. Il n'a plus la raison. Il n'a plus la raison. Qu'est-ce que tu fais en ce moment pour plaire à telle ou telle personne? Qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans le secret, dans la nuit sombre, pour nuire à ton frère et à ta soeur? Faisons très attention, parce que le jour de la colère de Dieu s'élèvera un jour. Quand ce jour-là s'élèvera, chers frères et sœurs, personne ne peut tenir devant sa face. Et il nous rassure de par sa parole, parce que sa parole ne ment pas, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Nous pouvons lire dans Marc, la lumière. Dans Marc chapitre 13, verset 11, et Luc chapitre 12, verset 11, il est écrit: quand on vous mènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avant de ce que vous allez dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car l'Esprit vous parlera, mais ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit parlera à votre place. Dans Marc chapitre 13, verset 11, Luc chapitre 12, verset 11, nous dit ceci: quand on vous mènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous avez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car c'est l'Esprit. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint nous donnera un langage nouveau. Les mots que nous devons dire devant nos adversaires, c'est très important. C'est pour cela que je demande à Dieu de faire grandir en nous la foi, pour que nous tenions ferme à lui obéir, et la force de l'Esprit Saint dans les moments de persécution de notre foi. Un psaume nous dira: vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants de ce monde. Et dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il nous dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oh, chers frères et sœurs, que c'est beau cette parole. Le psalmiste va nous dire: il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Si tu as l'esprit abattu, reçois ces paroles qui viennent en ce moment-ci. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Que nos cris en ce moment-ci soient nos cris, soient un cri de foi, qui vont déchirer les cieux pour faire descendre la miséricorde de Dieu, pour faire descendre l'ange Raphaël, pour guérir notre monde, pour rentrer dans nos familles, pour nous soulager, pour nous donner la consolation, pour libérer notre monde de cette maladie, pour libérer tout un chacun de nous dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Parce que la vie éternelle est dans celui en qui nous avons mis notre foi. Que la force de cette Eucharistie fasse grandir la foi de quelqu'un à travers les paroles de Dieu que nous venons d'écouter. Et que l'Esprit Saint soit donné en plénitude à tout un chacun de nous, surtout nous qui sommes persécutés pour notre foi. Que cet Esprit délivre mon cher pays, le Togo. Que l'Esprit Saint soit le soutien de nos évêques, de mes grands frères, de mes confrères prêtres, de mon cher père curé, le père Jean-Baptiste, de mon frère Siabi, pour que nous annoncions la foi, la parole de foi, la parole de Dieu à nos frères et sœurs, à nos chers compatriotes, les Togolais. Que la foi de cette Eucharistie œuvre dans notre vie et nous donne les grâces dont nous avons besoin. Loué soit Jésus-Christ.
Ma ou pas si les dignes nous cafouta pedo do awa. Ma ou pas si les dignes nous cafouta pedo do awa. L'environ l'auto. Ma ou pas si les n'y a pas de bédi. N'y a pas ma ou pas si les n'y a de méthode et si y a des bas de bédi. Et n'y a pas de ma ou pas si mais. Ma ou pas si les djibinade, y a Ronao. Ma ou pas si les djibinade, y a Demi. Et à Dieu. Les rachats de Saint-Méné qui ont collé. Ma ou pas si les djib. Les ou adolé, mais qu'on ne voit pas ta djib. Mais y a des gamins, y a des dormis. Y a un abénale. N'y a pas de foupe que vous avez. Nous l'avons dit. Va dans la ville de l'auto. Et de ma ou n'y a. Le dit bien, ma soeur est tonne, Togo vit des siades. Il y a même le Seigneur, même quoi? Le pomi, le lumen divin dit, Benare, il y a un peu de rossier. Mais nous avons besoin de nous rosser. Et nous avons un nom, merci, il y a bien Benare. Mais qu'est-ce qu'il dit au sort de rosser son courroux? Moi, quoi, quoi, allez? Mais qu'est-ce qu'il dit au sort de courroux? Si tu veux que tu aies un apôtre, on va Benare. Ou à trop bon, nous. Vagban toi dit benya bank l'entu ban toi mien. Non vino l'auto. L'évangile lui a mien. N'y a pas toi Jésus Christ. Les sang drinti nueto. Sont les nan Nicodème. Benare. Et ben rossia. Dipo et beso. Et ben rossia. Et koula meni a ke so dipova. A me ke ni ma ou to la ma ou gbagbo kwa kwela be da se li la van van. N'y a pas toi Jésus Christ. Et le fion qu'on a dit, dit pour le bessot. Nous sommes guetons les kibos. Nous sommes guetons les kibos. Rossé ouare. Mais d'assez dit ouare. Mais il n'y a tio qu'on a aussi allé. Dit pour le bessot. Il n'y a pas tant Jésus Christ. Qui va me rendre maintenant. Ma ou ben n'y a ma vanguéria. Que me mina quoi qu'à tout. Que me mina quoi d'or 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 d'or. Il y a un mec qui a dit la vent vent, et il n'y a pas de Jésus Christ. Un mec qui a dit la vent vent, ne m'a ou tant là, et il n'y a pas de Jésus Christ. Non, vino l'auto, mais que la soeur a fait ressortir pour une tio. Agbito quoi? Agbito? Agbito? Que la grogne a été, et soit là trop toi. Un mec qui a la soeur ressortir pour une tio, que la donc benon, que son goudoua, et la trop toi. À moitié, la soeur ressort son couloir. À moitié. Toi, pas de l'eau, mais que ton de nom. Amener les dons de nom là-bas de l'eau. Combien de personnes? Combien de personnes n'ont pas fait de promesses? Combien? Amener les dons de nom. Amener les dons de Dieu. Amener les dons de Dieu. Amener les dons de Dieu. Voyons, ma ouïa, il y a des dons bien. Et on a les diables. Et bien, qui tourne l'entomé, qui est bien tonné, et bien, soit bien, nan. Dans la ville de l'auto, on l'a ou autre, quand tu crois, tu trop là, trop, va m'en elle a donné la goudouille à quoi. Elle a donné la goudouille à quoi. Soit y'a diaré, n'a pas tant Jésus Christ, les blancs de côté, mais bonnade. Ma ou tola, les sons de serre, les sons de l'ébat l'homme là. On de serre de l'ébat l'homme. Mon globe n'a et son de serre, son do à mes guetons de balomolo, et bien les morts ou villa balom. Et les morts ou villa balom. L'environ l'auto, un de serre qui m'a dit, et les morts ou basime. Mon basime belé, c'est bien de bentom encore. Mon basime m'a dit, on ne sait pas que son do à guetons de basime. On l'a fendu, caca, caca, caca. On l'a sévé, caca, caca, caca. On l'a tité périca. On l'a tité périca. On l'a doublé, mais les gars, c'est après, ou l'a doublé, tout. N'est ma bleu. Mais qu'est-ce que tu, 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 mais qu'est-ce que ni ya, ni ebena, ou fou pekola po, dodo doya kwi.
dit la gira pas gomme hiere mon passe me belé mon mate d'assibina agblin kin to bewo ah mate ta si bede so wa agbe to ke bewo le belo lonu wa mon mate ta ti bina ya dati futo wa agblin linti wo ah obere wo se ya e do na so to mo ube nyame adoto mau. La foi vient de ce qu'on entend. Quand on vit longtemps, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de vie. Il y a un homme qui dit qu'il n'y a pas de vie. Jésus-Christ va rentrer là. Il y a un homme qui sont des sœurs sont dans l'homme. Il y a un homme qui dit qu'il n'y a pas de vie. Il y a un homme qui dit qu'il n'y a pas de vie. Il y a un homme qui dit qu'il n'y a pas de vie. Il y a un homme qui dit qu'il n'y a pas de vie. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de Amola ti tere ti o. Amola o libi libi o so ti o. Bipo Petro la kudo apostolo Vero o bo ko lo so ivon drogbe. O la dro vonu du rosé. Amola ti tere ti o. Po meto ndagba me ko binu la hore kame. Mi lu anule ka mi ti wala mi ona ni sia de le ka. O la ti tere ti o. O la ti tere ti o. Juda to. O ku yi. En ti mle dogbe da. Les caresses, mais nous n'avons plus qu'à pour autant. N'avons pas d'au, bébé toi. Fofogne, Jean-Baptiste. Mais moi, on est nommé, n'y a pas de roi, c'est pas lui qui est mis par vous. N'est nommé, bon, bon, quoi, que la nabé n'a rien, n'y a rien, mais d'assez, il y a un peu de temps, on l'est fort. A nous, c'est un peu, n'y a pas de temps, on n'y a pas de temps, n'y a pas de ni pa whatsapp o dira o zumi ka ga ikore e fe ko ma zo fa do ma zo o la zo cha o la ti te la pe ko se un ti e va nye be na mo mata ti le ti o gbede o mo mata ti o le ti o gbede o o yo o le bi o be na re o le bi apostle o be na re yo n gbe na mi a o n gbe o n do se na mi be na re mi gba won ni pepele Jesu Christ won ton me kon dia on gbe na mi a on ke ti mi gbale wero de mi le ji bebe ogun ba ko re mi aje a wa mi do nku ga me ko pre so e pilato gbo ne ne beju ko agbo be de ko e be ogun ne ba ko re yo ji ku de be vi jiji me vi oje wa e gbe o le bon la vi non lo to mi do to don ti ki apostolo petro peter son ora e la nyona yo bu mi na wa do to a ore ma o be lo na ji be na wa ora gbe toji fi ko le ka popo ya mi a n de se le ko lo oku to le hija pata me dole le be popo bo dole vuo le be popo te kemilia ngba na be abumo popo awu ngba na be na re ho se ko so kure ma unti e ba didi o awu awu do to ma wo nya ke amu le gran libi libi ko le wo so to ni be dole won ti alo so to catholic wa be veto ya be catholic wa ke le togua nya be fa do ya episcop unti a ngba na be ho se ba gbon jona o awu kose ngba gbojo na o nde sare do be nuwu nde sare do be nuwu na loto na peto Yesu Kristo e so to wa wo me no vilo loto e be na re a me se me ke do na to ya ona ne gbogbo koko la gbo soso mi o gbe loto ma wu yapo le kuru ape ko se unti kuru ko se unti ko se ko so do ma gbe to me ma wu me a e be gbogbo koko la so si o le nde sare mi Jueko, nous voulons jouer à quoi? Elle attend non. Nous voulons les gens, y a rien de tout bien. Dieu m'a beaucoup accueilli. Dieu m'a beaucoup accueilli. Mais nous voyons une opéle. Il est bas dédié, il est bas dimé. Nous ne savons que c'est là où. Quand on vit longtemps, mille bagnards mais collant notre tête et rien n'obtient tio. Avant nous gommer, avant nous libi. Après nos vieux, ah ouh, nous mille gardiens moins ou, nous gardiens moins ou. Et le marque au bas dans les mains. Et tu as vu un les mains, les carrières, les blancs, les coups. Mais ils font nous droguer. Ils ont les billes, ils mi bavon. Mais il y a qu'un milagre, donc tu as mis la mi bavon. Moi, je suis un peu et il y a un temps, là, il y a un fou, et il y a quelqu'un qui doit être mis son amour, mis son amour. Rossé, on est non, merci. Rossé, on est non, merci. Moi, papa, on est non, merci.
Et son roi nous dit l'autre. Et même la bonne année avec eux. Mais il n'y a pas de grand, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant. Et la bena est à mea. Agbe ma volé. Et ya mea, agbe ma volé. Et surtout, on a eu un vilain l'autre. Il a donné des siens de dit. Ma ou baba kakoué. Le va donc, Seigneur, me rossé. Bien, bien, toi. N'y a pas de comique, bon, toi, le rossé, mais capo pour yamé. Allez, bena, surtout, car ici, il y a un semia. N'y a pas de rossé, balique. Et mi baleto e yi se se o mi baleto aya se se o mi to cha mi ba bu mo papo e la bena se bele ke mi se le e salomo mezanea kure vo ba dora me jojo di no to ne ho se to di vo gasia gamia ma u de ne gasia gamia ma u de ne ga na be wuli dodo ka popo ya me ni yi ho se be wuli dodo ale ma ugo gbo koko ma khone nya dumeto de siade ba ve mi nami egbe eso to ma vo eyi ma vo ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Et cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus, nous sommes là. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Emmanuel, nous sommes là, Emmanuel, nous sommes là, Emmanuel, nous sommes là, nous sommes là, pour toi. Il est grand le mystère de la foi. Clamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très cher époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, Saint Kizito, les saints martyrs de l'Ouganda, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre père archevêque Nicodème Barriga, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, tes aimants, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux pour qui nous avons demandé cette messe, pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, cet esprit que nous supplions de consolider notre foi, surtout dans les moments difficiles que nous traversons, unis à cet esprit, dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de cette maladie. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, efface nos péchés, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, efface nos péchés, prends pitié de Agneau de Dieu, envoyé par le Père, efface nos péchés, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné pas ta mort, la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, fait que je demeure fidèle à tes commandements, et que j'aime le Seigneur. Qu'on soit séparé de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans tes verts pâturages, tu me fais reposer. Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort. Ta force et ta présence seront mon réconfort. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Nous allons prendre la prière pour demander la guérison pour le monde entier de cette maladie-là, le coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute sa création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Dans la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude. Pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ne nous laissons pas intimider, même si nous sommes persécutés. Ne nous laissons pas intimider dans notre famille. Je sais en qui j'ai mis ma foi, nous dira le psalmiste. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Miséricordieux vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Enfants de la même cité, l'Église du Seigneur. Enfants de la même cité, nous n'avons qu'un seul cœur. Restons toujours frère Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis.
mes frères, si nous aimons tous, restons.